Un petit Volkswagen. C'est un Volkswagen que je connais, ça. Hop, on va faire le tour, on va se garer. Salut les touristes. Donc, nouvelle vidéo aujourd'hui. Je vais chercher les matériaux du camping-car. Alors, avant, il y a un autre ami qui est dans le secteur, qui fait des vidéos aussi. Je vous en dis pas plus. Alors, il se couche tard, il se réveille tard aussi. Oui. Il est 10h10. Je suis un petit peu à la bourre. On va essayer de voir. On va essayer de voir s'il est réveillé. On va passer à côté de lui. Je vous emmène. Et voilà. Et puis, voilà, la petite veste qui va bien. Allez, c'est parti. De dormir, ou alors il est avec une copine à lui. Hein. Peut-être, hein, je sais pas, peut-être qu'il a rencontré quelqu'un hier soir. Lève là son camion. Van Life BZH. Voilà, donc le voilà. Le petit Rudy. Petit Rudy, ouais. Salut. Ça va? Ouais, impeccable. Avec ce beau temps. C'est clair. La douceur angevine qui est là. C'est pas c'est un vrai mythe. Qu'on est déjà en t-shirt et tout. T'es en t-shirt. Ouais, t-shirt ailleurs. Ah, bon, moi ça va. Je suis breton à la base. Hein. Donc. Et donc voilà, voilà Rudy qui m'a donné envie d'acheter le petit chauffage chinois. Et donc voici son installation. Donc c'est marrant parce que d'un kit à l'autre, il y a pas mal de choses qui diffèrent. Donc toi, t'avais pas le silencieux d'échappement. J'avais pas le silencieux d'échappement. Par contre, j'ai eu une deuxième gaine. Et j'ai eu le thé. Distributeur là, le T pour la distribution. Et j'ai eu une deuxième bouche aussi d'évacuation. Mais là, je l'ai pas mis parce que du coup, il me suffisait d'avoir juste juste celui-là pour emmener déjà la chaleur, tu vois, jusqu'à l'avant du fourgon là-bas. Et du coup, j'en fais sortir un petit peu en dessous qui remonte le soir par ici. Du coup, ça me chauffe toute la soute en dessous le lit, ça chauffe la. Voilà, tu vois, ouais, ça, oui, bah t'as la. Ouais, tout à fait. Alors, Jérémy, il était étonné de la température soufflée par le chauffage. Et là, on peut voir, ça continue de monter. On vient de le mettre. Ouais, il est à fond. Là, le chauffage, il tourne à fond, à plein régime. Et donc, l'air soufflé est à plus de 70 degrés. Mais ça continue de monter, à mon avis, ça peut aller jusque 75. Bon, ça va peut-être aller à un peu plus de 75 quand même. Ouais. Ouais. C'est hyper précis comme thermomètre. Ouais, on arrive à 75. Donc voilà, donc 75 degrés à plein régime en air soufflé, donc mettez pas de choses en plastique devant. Ouais. Hop. Et le petit contrôleur qui est. Impec. Et donc toi il tourne. Alors du il tourne au GNR. Voilà. Parce que du coup j'ai trouvé du GNR là à 1,14€ la pompe. Et du coup bah voilà j'ai testé et le GNR c'est exactement la même chose que le gasoil, sauf qu'il est coloré en rouge. Parce que comme il est détaxé, du coup il est moins taxé. Donc du coup bah voilà ils ont mis un colorant dessus pour le repérer facilement. Et comme c'est pour les appareils de chauffage, bah, c'est du non-routier là puisque c'est un appareil de chauffage. Du coup bah voilà j'en ai récupéré un petit peu. D'accord. Et puis. Hop, la petite pompe qui est là derrière. Donc c'est ce qu'on se demandait avec Jérémy, la pompe c'est bien elle qui régule le débit. Ouais, c'est la pompe qui régule ton débit de chauffage. Voilà, tout à fait. C'est un électroaimant qui envoie. C'est qui une laisse. Impulsion. Ouais, voilà. Et tu vois, donc par contre, plus c'est loin,
Bah, y a une distance à respecter, hein, dans ouais. Le truc de montage, tu as une distance à respecter et c'est marqué sur le plan de montage. Je ok. Voilà. Moi, j'ai pas regardé la notice. Moi. Ah. C'est pas bien. De toute façon, elle est en anglais ou en chinois, donc. Ça tombe bien. Ok. Même le mode d'emploi dessus, de toute façon, il est, il est en chinois, quoi. Enfin, les trucs d'attention, ils sont en chinois, donc. Mais bon, ça marche très bien, j'en suis super content. Donc, Alors pourquoi l'avoir mis là en plein milieu ? Eh bien, tout simplement parce que j'ai un double plancher là, et j'ai un plancher chauffant en dessous. Et le seul endroit où je pouvais trouver facilement pour pas passer à travers mes tuyaux et pas que ça chauffe mes tuyaux, c'était à l'arrière ici, parce que voilà, parce que sinon il aurait fallu que je rouvre tout et c'était un bazar. Et mon idée de plancher chauffant, bon, c'est un essai que j'ai fait. Hein. Et bon, c'est pas fantastique. Ça chauffe le plancher, mais ça fait quand même beaucoup de consommation électrique et gasoil pour chauffer un plancher. Et franchement, depuis que j'ai découvert le petit chauffage chinois là, je me casse plus. Voilà, j'utilise que ce chauffage là et c'est très bien. Et voilà, l'autre c'était vraiment un essai parce que j'avais vu déjà qu'il y en avait qui avaient fait des planchers chauffants et je voulais essayer sur un fourgon voir ce que ça donnait. Et bon, puis je me suis pas cassé à tout redémonter, je me suis dit c'est pas la peine que je redémonte le tout. Par contre, je pense à ça en même temps, ce chauffage là avec les camping-cars double plancher, un peu comme il a Alexis. Ça peut être sympa. Ça peut être super sympa parce qu'en plus. Parce que du coup, tu peux emmener les gaines un petit peu ouais. Partout et tu peux faire ressortir de l'air vraiment où tu veux. Où tu veux et puis tu peux être pieds nus dans ton camping-car l'hiver. Voilà, ça te chauffe le ouais. Sol. Quoi. Ouais, c'est. Ok. Et donc, j'avais vu que tu avais un. Donc là, c'est via un Webasto. Qui est en dessous, c'est ça ? Ouais. Ton plancher chauffant. Tu vois, j'ai la deuxième petite alimentation parce que je l'ai repris sur celui-là, mais tu vois, il tourne pas parce que je l'utilise pas, donc il y a toujours du blanc dedans. D'accord, ah oui, ok. Couleurs, ouais. Enfin, si, je l'ai fait tourner un petit peu tout à l'heure pour te montrer, mais c'est tout, quoi. Lui, il est positionné en dessous, c'est ça ? Oui, il est en dessous, ouais, puisque c'est un ancien de 807. Et du coup, il est monté, il doit être par ici, là, tu dois le voir par là, dans le coin. Ouais, il est là, ouais, il est installé dans le support d'origine qui était livré sur les 807 en fait. Ok, ouais. Et donc il y a les 807 qui en ont. Les 806 ils en ont pas eu. Hein, j'ai pas eu, mais c'était plus compliqué. Ah ouais. C'était plus compliqué, le câblage est pas le même en fait à récupérer. Je sais plus, ça a l'air. Et puis bon, faut pas qu'il soit trop ancien parce que sinon c'est assez compliqué à remettre en route. D'accord. Faut les réviser complètement et les pièces ça coûte quand même. Voilà. Parce que j'avais. Les pièces Webasto ça coûte cher. Ouais, c'est clair. J'avais vu, il y a quelques BM aussi qui en ont. Il y a des transporteurs chez Volkswagen. Ouais. Et après, on peut montrer celui que tu as sur le côté. Sur le côté, ouais, j'en ai un sur le côté. Ouais. Et donc, lui, sur le côté, il te sert en eau chaude. Parce que contrairement au chauffage chinois, ce chauffage-là, en fait, lui, il chauffe l'eau. Voilà, c'est une version eau chaude, en fait. Modifiée. Et donc là, ça marche. Du coup, il me chauffe l'eau les 25 litres là en 10 minutes quoi. Donc ça me permet de prendre ma douche et mais bon, j'aurais dû mettre un échangeur, tu vois, pour faire chauffer l'eau. Parce que c'est pas top d'avoir directement l'eau qui chauffe là-dedans. Bon, je l'ai nettoyé parce que normalement c'est du liquide de refroidissement qui passe là-dedans. Et donc je l'ai nettoyé avec du vinaigre et tu sais comment on fait. Ouais, de toute façon, après ça reste un réservoir où tu mets de l'eau et tu la chauffes, donc elle est plus sensible aux bactéries aussi. Donc voilà, faut. Voilà, donc du coup bah là je la fais monter une fois de temps en temps en température pour stériliser le truc quoi, mais Après il existe des produits ouais, aussi. Des produits, je suis pas trop produit, moi. Non moi non et plus mais. Là, j'ai mis du rouge aussi dans le réservoir, parce que ça c'est le réservoir qui alimente celui-là en fait. D'accord. Et c'est pareil, consommation, c'est dérisoire. Ça c'est rien quoi. Pour chauffer pendant 10 minutes, je vais baisser, ça va baisser un petit peu, je fais je sais pas combien de douches avec ça, j'en fais ouais peut-être 7-8 tu vois. D'accord. Bon, et donc là, si, admettons, ça intéresse quelqu'un, ce Webasto-là, on le trouve à quel niveau sur les 807 ? Sous le châssis, un petit peu à l'arrière du moteur, parce que c'est connecté en fait au moteur pour chauffer justement le liquide de refroidissement du moteur. C'est pour aider à monter en température les moteurs quand il fait trop froid, donc ça se déclenche, je crois, en dessous de 7 degrés. C'est... Ouais, donc c'est comme si tu la jettes en Bretagne, le truc il a pas tourné beaucoup quoi. Donc, okay. Voilà, et tu l'as récupéré juste avec le faisceau. Enfin, y a quoi... Tu récupères en fait tu coupes le câble de l'autre côté, tu récupères le faisceau, enfin tu coupes après ce truc là et du coup tu enlèves la plaque, tu as trois boulons qui tiennent à enlever, tu coupes les deux du rite de liquide de refroidissement
Et voilà, tu récupères ça. Et tu récupères le bloc avec complet avec le support. Qui est déjà alimenté via le moteur. Parce que là, je l'ai démonté de son support, comme celui qui est en dessous, là, pour le mettre là sur le côté. Et du coup, bah, j'ai juste l'échappement sur le côté. Et bon, j'ai mis un interrupteur on-off. Bon, par contre, ça envoie 5000 watts, quoi. D'accord. Donc, c'est on-off. C'est vraiment. C'est ouais, c'est, voilà, c'est ça régule pas. C'est, non, ça tourne, ok. Voilà, celui-là régule pas. Ouais, mais par contre, le système est pas mal pour avoir de l'eau chaude. Ah, ben ouais, c'est sympa, mais il aurait fallu mettre un échangeur. Il aurait fallu le brancher sur un chauffe-eau marin par exemple. C'est les gros chauffe-eau marins en inox là, et ça c'est vachement bien parce que du coup là tu chauffes ton eau. Et ton plancher chauffant du coup donc il vient jusque là lui. Ah bah il vient jusqu'à là ouais, au bord. Et, ok. Donc là-bas dessous, à côté du toilette, une petite. Une mise à l'air ouais. Voilà. Avec les poils de chien d'Adia. Et du coup ouais ça. Voilà ça me permet d'avoir. Pas d'avoir un sol chaud si vraiment. Mais bon maintenant je te dis avec le chauffage chinois j'ai plus besoin en fait. J'ai plus besoin parce que ça chauffe suffisamment, tu vois la bouche aller là-bas. Elle m'envoie de l'air chaud vers le bas et puis bon j'évite quasi à se mettre devant, tu vois, c'est la place où elle se mettait avant, c'était en dessous ça. Et maintenant je la prends sur le lit avec moi parce que voilà, j'aime bien avoir ma chienne confortablement installée. D'accord. Et ton budget, admettons, là si on parle de là du début de l'hiver jusque maintenant en chauffage. Sachant que tu vis dedans ben, tout le temps. Tout le temps, pour le budget carburant, on va dire à peu près, il me faut à peu près un plein de 8, ouais, 10 fois, peut-être 8-10 litres par semaine, quoi. D'accord. Tu vois, en l'utilisant pas non plus. Donc ça fait, ouais, ça fait un peu plus d'un litre par jour. Ça va être plus économique parce que du coup, il n'a pas fait forcément froid, mais ça fait, ouais, je vais faire un litre à peu près par jour, quoi. Après, c'est pareil, vois, hein, tout dépend de l'isolation et tout ça aussi. Là, je l'ai re-rempli il y a 2 jours. Tu vois, je l'ai utilisé un petit peu, mais bon, voilà. Ouais, parce que cette nuit, il a fait froid. Ouais, il a fait un peu froid, mais bon, quoique hier soir, j'avais pas mis trop de chauffage. Mais il avait tourné, par contre, la veille, il avait vachement tourné, ouais, parce que j'étais à Rocamadour, et j'étais dans le creux là-bas, et là, il a fait du moins 5. Ouais, c'est puissant courant d'air. C'est assez tourné, quoi. Donc, t'as, t'as un bon petit courant d'air dans la vallée. Voilà, ouais. la vallée et tout, c'est. Donc, un plein par semaine près, de 10 litres, donc ça fait. De toute façon, quand tu le laisses tourner en continu. En continu en régulation, il fait 3 litres par 24 heures. D'accord. 3 litres. Enfin, il faut 3 litres pour 24 heures. Parce qu'il fait 125 millilitres à l'heure. Ok. Et quand il est en puissance maximum, donc si jamais il a besoin de chauffer en continu un gros truc en tournant à fond, il fait 375 millilitres à l'heure. Ouais, donc, d'accord. Ça faut calculer. Ouais. Attends, ouais. Je vais te le calculer, mais. Non, mais ça reste moins cher que des chauffages au gaz et tout ça. Bah, alors, vrai, j'ai eu la question, est-ce qu'il est quelqu'un qui fait homologuer un fourgon en VASP caravane? Comment ça se passe? Aucune idée. Comme c'est chinois, il n'y a pas de normes, je ne sais pas du tout. Enfin, il y a peut-être des normes, parce que si tu veux, quand il est livré, t'as un fascicule. Je crois que les normes qu'ils ont mis dedans, c'est juste la norme de l'entreprise qui a reconnu... Mais c'est pas la norme du chauffage. C'est pas la norme européenne. Je pense pas. Donc, faites-le homologuer avant et puis vous mettez ça après. Bah en gros, c'est ça quoi. C'est comme les chauffe-eau Fastar, tu sais, les chauffe-eau gaz Fastar. Ouais. C'est pas homologué. J'ai des connaissances qui ont justement aménagé leur van et ça passe pas. C'est pas des trucs qui passent en homologation. Donc en général, ils se font prêter un chauffe-eau homologué où ils en mettent pas forcément et puis après ils mettent. J'ai vu une chaîne, je sais pas, je crois que je t'avais passé le lien. C'est d'un gars qui vit dans une voiture et il a mis ça dans son coffre de toit. Enfin, dans des caisses, parce qu'il a, il a un coffre de toit, il a des caisses sur le côté de son toit. Ouais. Et je crois que c'est un 2000 watts qu'il a mis dans sa, c'est une Bora ou une Passat Break, je sais plus trop. Et il chauffe à ça, mais à première vue, ça doit chauffer. Ça doit chauffer dur, parce que je vois Jason dans le Jumpy, ça chauffait fort au début. Bon, après, on a compris que tu pouvais baisser la régulation de la pompe. Ouais, alors là, on rentre dans les paramétrages et là, bon, voilà. c'est autre chose, parce on change. En fait, j'ai pas refait le calcul de consommation depuis que j'ai baissé, mais comme le 5000 watts était assez fort pour mon véhicule, j'avais rebaissé les paramétrages de la pompe pour diminuer, pour que ça produise moins de chaleur, en fait. Voilà, pour que la pompe, envoie moins et vite. Du coup, le... il arrive à réguler le chauffage. Il n'envoie plus en continu trop fort, donc du coup, il arrive à réguler. Par contre, du coup, il a dû baisser la consommation. Parce que, comme il. Oui, bah, forcément. Oui, forcément. Moi, j'attends de voir vraiment avec mon camping-car, j'attends vraiment le retour. J'ai pas assez de retour pour ça parce que là j'en étais encore qu'au test, mais ouais, ça m'intéresse bien parce que si ça chauffe de trop dans le camping-car, le but c'est pas d'ouvrir les fenêtres, mais c'est ça, parce que moi au début c'était ça, j'ouvrais un petit peu le lanternon en haut pour réguler, tu vois, et puis je laissais la ventilation basse ouverte, mais au final tu chauffes un peu pour rien, tu consommes plus, alors qu'en fait en baissant un petit peu les paramètres,
tu récupères, voilà, tu chauffes moins fort, quoi, donc c'est plus pratique. Donc les paramètres, en fait, on y rentre dedans via un code. Ouais, tu mets... On voit pas, il y a le reflet. Il y a le reflet. C'est vrai que c'est pour ça, il n'est pas super lumineux le truc, il faudrait le faire le soir, en fait. Ouais. Mais t'as des paramètres et dessus. Donc là, 15h32, et toi, il est mis à... Ouais, t'as 18 ou un truc comme ça, ou 20 degrés. Je sais pas, 21. À 21 ouais, bah t'as appuyé, parce ouais, que j'étais à 20 ou un truc comme ça. Voilà, j'ai mis à 19. Ouais. Et donc t'as vraiment 20 degrés Bah écoute, quand ça fait un petit moment qu'il tourne et qu'il régule bien, et que ben, tu vois, là, il m'affiche 19, et là-haut, il m'affiche 20, l'autre, parce que j'en ai un autre en haut, mais les trois sont à peu près d'accord. Ça joue à 1 ou 2 degrés près quand il est... Et des fois, il y a même carrément la bonne température d'indiquer. Ouais, d'accord. Il suffit de le mettre aussi à la bonne hauteur. Oui, voilà, c'est ça. Et que ce soit pas en courant d'air. Comme moi, le camping-car, voilà, au niveau de la porte... Il prend le froid. Ben ouais, ouais. Il va falloir que je lui trouve un endroit... Un peu plus adapté. Ouais. Et en isolation, tu as quoi, toi? J'ai pas grand-chose, en fait. Parce que si tu veux, le haut, il y a du multicouche derrière. Donc tout le haut est isolé en multicouche, au niveau du plafond. En combien de couches? Je sais plus, c'est du 21, je crois, un truc comme ça. Ouais, il y a, bon, y a 21. Il y a du 11, il y a du 17. Ouais, ça sert à rien de mettre beaucoup, en fait. Parce que quand tu regardes bien, il s'écrase. Bah, c'est, tout dépend de l'espace que tu laisses, voilà. Ouais, c'est pas non plus un truc... Vaut mieux du à 11 couches bien posé... Bien posé... Que un... C'est ça. Tout à fait. On est d'accord, parce que moi j'avais eu un jumper aussi, et le jumper j'avais mis beaucoup de couches, et puis en fait je les avais écrasées, donc ça servait à rien, puisque ça isolait pas. Ouais, tout à fait. Et au final, sur les côtés, j'ai rien du tout, j'ai juste le bois, et j'ai de la laine de roche dedans, dans tout ce qui est grande partie, tu sais, tous les passages, les trucs creux, avec de la laine de roche en fait, tu sais, mais il n'y a que ça, il n'y a pas de multicouche, alors que sur le jumper, j'avais mis du multicouche entre deux, et l'idéal étant de faire un peu comme tu as fait dans ton camping-car pour ta salle de bain, si tu mets des tasseaux, tu poses ton multicouche, tu remets un tasseau, et tu mets après ta plaque de bois, donc du coup, ça te fait un vide d'air entre la carrosserie et l'isolant, et après ça te fait un autre vide d'air entre la première partie du machin et l'isolant. Ce qu'on appelle les ponts thermiques. Voilà, et là tu gagnes énormément, là il serait hyper bien isolé, et là un 2000 watts ça m'aurait largement suffi, quoi, tu vois. Ouais. Ouais, mais après, enfin oui, c'est sûr, mais tu parles d'isolant, t'en as mis aussi en bas Pour le sol, ouais. Et bah tu vois, il est là. D'accord, ouais. Il est un peu noir parce qu'il y a des retours de gaz d'échappement du véhicule, parce que les joints sont un peu dégueux, mais... Ok. Et celui-là, il fait... Parce que moi, j'avais vu que les isolants, ce qu'on appelle spongieux, donc qui absorbent l'humidité, vaut mieux éviter de les mettre dans le bar, ouais. Parce qu'en fait, avec l'humidité, ils se chargent, ils se tassent, et ils se gorgent d'eau, et en fait, ils viennent pourrir les bas de caisse tout le long... Ouais, celui-là, je sais pas ce que ça donne, parce que normalement, il y a pas de... Enfin, lui, j'ai pas d'humidité, si tu veux. Bah, puis ceux-là, niveau rouille, ils sont déjà plus costauds. Il y avait des J5 qui avaient été isolés comme ça, et c'est vrai qu'en en deux ans, les bas de caisse, ils sont morts. La première fois au sol, j'avais mis tu sais, la mousse styrofoam, là. Oui. La mousse comme l'isolation camping-car, la première fois, j'avais mis ça. Puis finalement, ça s'était un peu tassé, écrasé, donc c'était pas forcément. Il aurait fallu mettre des tasseaux. L'idéal, c'était de mettre des tasseaux, et ensuite de faire des carrés. Ouais. Sinon, ce que j'avais regardé pendant un moment aussi, c'était le... Mais alors, je sais pas, c'était une idée que j'avais eue aussi, mais je sais pas si c'était vraiment efficace. C'est le liège. C'est le liège, ils le vendent en sachet de liège. Et le coller mettre... Non, pas le coller. Non. Non, non, du sachet en... En boule, comme en polystyrène. Ouais, en boule, en copeau. Mon père avait fait son plancher dans un sous-sol en bois, comme ça, en fait. Et ouais, c'est... Ça fait comme une mousse en fait. Ouais, et puis c'est des copeaux, donc du coup tu mets tes tasseaux et du coup tu bourres avec du liège en dessous parce que le liège ça craint pas l'humidité. Ouais, tout à fait. Et ça retient pas non plus et du coup ça isole vachement bien. Et ce que je pensais c'était faire ça, si tu mettais des tasseaux partout, tu bourrais tous tes trucs et tu foutais du liège dedans pour isoler vraiment le sol. Un peu partout, ouais. Le liège aurait été une bonne idée. Après t'as le liège projeté qui est pas mal aussi pour les côtés, il y en a beaucoup qui font ça, du liège projeté, mais après bon ça coûte aussi, mais. Mais c'est efficace parce que ça évite la condensation sur la carrosserie. Tu mets une espèce de colle et tu viens le... Tu le projettes direct et ça sèche. Mais bah après, il y en a qui le collent direct sur la carrosserie. D'accord. Il y a pas mal de techniques, en fait. Ouais, après, voilà. De toute façon, l'isolation, c'est le plus long, c'est le plus chiant. Chiant en plus sur un fourgon, c'est que t'as tous les ponts thermiques. Parce que tu vois, t'as toujours les parties. Voilà, c'est ce que j'allais dire. Il y a tous les petits coins comme ça. Là, ici, j'ai vu que t'avais mis une grille. Voilà.
Bah là j'ai mis une petite grille parce que du coup j'ai remonté de. Enfin j'ai de l'aération derrière, donc quand je mets mon lanterneau, mon ventilateur de lanterneau là-haut, en fait si tu veux je sens le froid qui rentre par là. Donc je me suis dit pour éviter qu'il y ait des araignées ou des conneries ou des insectes qui rentrent par là, je vais mettre une petite truc collée à la, ouais, à la colle. Pareil, il est ventilé ton lanterneau. Mon lanterneau est ventilé en permanence, ouais. Et c'est okay. Avec un ventilateur, donc du coup l'été c'est vachement bien parce que du coup j'ai pas de chaud. Ouais. Et puis c'est pareil, les passages de roues, c'est toujours le souci aussi. Ouais, alors les passages de roues sont pas isolés non plus, tu vois, faire un rond. Donc bon, en même temps, le chauffage chauffe la soude. Donc, parce qu'au début, j'avais des protections dessus et tout ça, et puis finalement, ça prend de la place et je les avais virées. Et je pensais mettre justement du liège collé dessus. Mais ça sert à rien, comme de toute façon, j'ai des ponts thermiques partout. Je me dis, bon, je ferai mieux pour le prochain fourgon. Et voilà, celui-là. Bah, il est déjà bien. C'est... Il est déjà bien, il est fonctionnel. Mmh. Il me convient. Ah, il est viable puisque tu y vis à l'année. Donc voilà. C'est. Et il ouais, y a les chaussettes avec de la litière pour chat, la silice là-bas pour l'humidité. Ça fait absorbeur d'humidité, ça. Voilà. C'est une astuce de camping-cariste. Normalement, ça se met au tableau de bord. Ouais, mais enfin, j'ai mis pour que ça. J'en ai aussi à l'avant. Hein. Donc, mais ouais. J'en ai une au fond, pareil là-bas. Mais c'est bien. Partout. Et ça fait combien de temps que tu vis dedans? Ça fait 2 ans là. 2 ans. Et puis j'ai pas vu, t'as aussi les petits trucs ports USB. Ouais, j'ai les petits ports USB, attends, parce que c'est le bordel là-dedans. Forcément, quand on vit dedans, j'ai un allume-cigare. Ouais, c'est le kit. Les ports USB, voilà, le même deux. Truc, et sauf que je les ai enlevés de leur plaque et je les ai mis à la plage, j'ai fait un trou que j'ai mis, et puis là j'ai branché, si tu veux. C'est ce que j'ai fait dans le. J'ai un petit bouton là qui m'éclaire la lumière arrière, tu vois, j'ai juste une petite lampe à l'arrière pour ça fait lampe de chevet, quoi. Hop. Tu vois, c'est une petite lampe là ici qui est contrôlée par le bouton là, et j'ai un autre bouton à côté qui me sert. Ah, okay. En fait, si tu veux, ouais. Ça s'est branché en feu de recul, mais je peux le commander depuis mon, ouais, depuis mon fait... arrière. D'accord, ouais. Parce que je me suis dit que quand je vais sortir la chaîne la nuit, des fois sur des endroits, bah t'allumes tout. Ouais, ou même, mais j'ai pensé ce que, ce que je voulais faire aussi autour du 4x4 quand je voulais l'aménager. Je voulais mettre des feux identiques, ouais. Et tout autour du 4x4. Et on sait jamais quand t'entends, quand, truc, quand t'entends du bruit, tu tires de ça. Et je voulais faire un 360 degrés vraiment tout le tour du. Ouais. Et c'est peut-être ce que je ferais sur. Sur la petite mémère qui est là. Bah quand je faisais de la sécurité, j'avais justement monté sur mon premier trafic, j'avais mis des feux de tous les côtés. Et j'avais mis un truc comme ça, quand il y avait quelque chose, j'allumais tout, ça m'éclairait toute la plateforme où j'étais en fait. Et du coup, bah, je voyais tout ce qu'il y avait autour. Et sur le camping-car, j'avais fait pareil. J'avais mis les feux que j'ai au-dessus sur le toit du fourgon. J'en avais mis un à l'arrière, tu vois, un gros, ouais, à l'arrière pour que ça éclaire tout l'arrière du camping-car. J'en avais mis 2 de chaque côté, pareil. Et je les avais mis par contre positionnés à l'arrière. Parce que je me suis dit que si je les allume et que je les laisse à l'avant, je vais me coltiner tous les insectes qui vont venir se coller aux lumières, quoi. Donc du coup je l'ai mis le plus loin possible de la porte, parce que tu vois sur les camping-cars ils ont tendance à mettre la lumière juste à côté. Bah, de la porte. Comme sur le mien, là, ça, voilà. C'est la cata, parce que du coup tu ouvres, t'as tous les moustiques, les papillons, les machins qui vont rentrer. Bah, puis moi elle va être retirée, donc, parce que c'est un trou qui fait, ouais, il doit faire 10 cm. D'accord. Et j'ai pas d'isolant derrière. Oui, on va aller voir, je vais le montrer après, mais ouais, j'ai rien du tout. Donc voilà. Mais c'est vrai que les petites lumières à LED dessus, c'est pratique, quoi. Le soir, quand t'as un problème, t'entends un bruit, pouf, t'allumes le tout, bah, en général, ça détale. Hein. Et tu peux même en mettre avec des détecteurs pour les mettre en allumage automatique, quoi. Mais moi, c'est ce que je voulais faire, comme j'en ai un devant chez moi aussi. Et ils en vendent sur Amazon. Ils sont avec détecteur de mouvement, ils sont solaires en plus. D'accord. Ils sont vachement bien, ceux-là. Bah, faudra que tu mettes un lien, j'irai jeter un œil. Je mettrai le lien dans la description. Ouais, mets le lien, parce qu'il faudrait que j'aille voir. Je voudrais bien retrouver ça serait pas mal. Ouais. Bon, ben voilà. Et si t'en reprends un, tu reprendrais? Bah, pour l'instant, je sais pas. Alors là, c'est la grosse question en fait. Après, c'est une question de moyens aussi, parce que du coup, je reprends le boulot. Enfin, je vais reprendre le boulot bientôt. Parce que oui, j'attends que mon frangin, en fait, si tu veux, mon frère Jason, va en formation là pour faire de la sécu. Et du coup, comme moi j'ai refait ma formation sécu, j'attends qu'on soit 2 pour pouvoir me démarrer à mon compte, pour être sûr d'avoir, tu vois, en cas de problème, de besoin, qu'ils puissent venir me remplacer et qu'on puisse arriver à bosser ensemble, bah, tous les deux. Et une fois que j'ai redémarré, bah, si ça fonctionne bien, bah, je sais pas encore. Oui, parce qu'il y en a un qui travaille le jour, l'autre la nuit. Et... Ouais, voilà, ça peut être, on peut alterner, on peut faire plein de trucs, ça offre plus de possibilités en fait. Parce que j'ai plus envie de passer par un sous-traitant, je suis passé par un sous-traitant. Plus envie de passer par un patron non plus. Et voilà, plus envie de passer par un patron non plus. Et bah non, parce que j'étais pendant 8 ans à mon compte déjà. Et du coup, le sous-traitant, quand je suis allé le voir là pour lui dire, j'ai refait mon diplôme en sécurité là et je voulais justement rebosser, j'ai dit, bah tu peux me prendre en sous-traitance. Il m'a dit, ah, je te prends pas en sous-traitance. Bon, bah. Donc les mecs, terminé, quoi. Maintenant je rebosse, on va bosser qu'en famille, et puis voilà, comme ça moi ça sera, on sera tranquille.
Et du coup, parce que il me faut pas grand chose, il me faut un lit, un WC, tu vois. Pour la douche, tu peux toujours t'arranger en extérieur ou tu peux la prendre dans différents endroits. T'as toujours un truc, toujours un port. Mais enfin, moi je trouve le tien ça va, mais plus on a grand, plus on en met. Bah en fait, ouais, il y a ça. Mais aussi. Je trouve que le tien ça va, à part voilà le petit frigo là, le toilette. Ouais. De quoi se faire à manger, ça doit être là-bas aussi parce que je vois le tuyau de gaz. Ouais. Donc en dessous là-bas. Oui, enfin, comme... là, il n'y a rien de rangé, hein, c'est un gros bordel, je reviens de... Mais voilà, à part le lit, c'est vrai qu'on a besoin de pas grand-chose, en fait. Bah, c'est ça. Tout le reste, après... Bah, en fait, j'ai besoin de rien, j'ai besoin de pouvoir m'asseoir un petit coup, tu vois. Donc, une batterie. À la base, j'ai mis un truc sur le toilette parce que je voulais qu'Azir puisse monter sur le lit tout seul, mais elle peut même pas monter dessus, en fait. D'accord. Donc, en fait, bah, du coup, ça me sert aussi pour m'asseoir. Je vais peut-être mettre un petit coussin, faire un petit coussin dessus pour être un peu plus confortable, mais je me pose là, enfin, moi, ça me va, quoi. Pour tes lives. Ouais, pour les lives. C'est pour ça qu'à chaque fois, on dit, ouais, sur les lives, il est sur ses chiottes. Bah ouais, le chiotte, il est en dessous, mais bon, je suis. Et c'est pareil, on n'a pas parlé. En batterie auxiliaire, t'as combien? Alors, j'ai une 100 ampères gel. Gel? Gel, ouais. D'accord. Et qui est récent. Tiens, on en parle, des charges lentes, AGM, gel. Ouais. L'AGM, c'est bien, mais comme j'avais pas suffisamment de panneaux solaires, je pense que je la flinguais beaucoup, ma batterie, j'avais rien pour contrôler. Ouais, donc elle est trop en décharge profonde, donc c'était pas bon. Et au final, quand j'ai recommandé une batterie, parce que j'ai dû la changer, j'ai recommandé directement une batterie gel pour être directement sur un truc top. Par contre, la batterie gel, comme me disait Manu de la chaîne Wilbur et Dragonfly, il me disait la batterie gel c'est bien mais il faut pas tirer trop fort dessus parce que si tu tires trop fort dessus en fait ça s'abîme en fait. Ouais, bah c'est pas une batterie de démarrage c'est pas en une fait. Batterie de démarrage, la batterie gel c'est vraiment une batterie stationnaire en fait. C'est bien pour l'éclairage, c'est les bien trucs pour comme l'éclairage, le chauffage, tous les trucs pas un petit enfin encore celui-là ça doit pas être un gros mais un convertisseur c'est un 600 watts ça mais ouais, je tire pas 600 watts, c'est juste pour charger mes trucs que j'ai pas trouvé d'adaptateur 12 volts en fait. Et du coup, j'ai pris un régulateur Victron, tu vois, qui est... Attends, il est là. J'ai pris un petit régulateur de charge solaire Victron. Je suis dans la gamelle du chien. Voilà, d'accord. 75-15. Voilà, et comme il est Smart Solar, donc du coup, tu as le contrôle en Bluetooth. Attends, il est là, ouais, le petit logo. Et du coup, j'ai le retour sur le téléphone. Donc, je peux contrôler voilà, ma tension de batterie et tout. Donc, c'est intéressant parce que du coup, je sais où j'en suis au niveau de... au niveau de ma conso électrique et de ma production, et du coup je descends plus trop la batterie en fait. D'accord. Et donc sur le toit t'as... J'ai 200 watts de panneau solaire. J'avais 100 watts au début et je suis passé sur j'ai ajouté un deuxième panneau parce qu'avec le régulateur je pouvais et voilà. Et du coup je vais essayer de monter dans la remorque. On en voit un là. Tu vas voir la rouille aussi. Parce qu'il faut que je reprenne le toit. Je suppose qu'on voit. Ouais, il y en a un autre derrière là, j'ai mis en longueur en fait. Parce qu'il était trop large pour être mis. Moi ça va être le prochain achat sur le camping-car, ça va être ça. Hop. Bon ben voilà. Bah écoute, ouais. Impeccable. Et donc niveau électricité, je sais pas si on peut jeter un œil vite fait sur la production là en ce moment, parce qu'on a un petit peu de soleil. Bah tiens, bon, on va peut-être se mettre à l'ombre pour pas avoir le contre-jour. On va voir. Attends, je vais aller sur l'appareil. Hop là. Je me mets. J'ai pas les épaules larges, je suis pas costaud moi. Bah là il produit 26 watts, mais bon il est presque 16h quoi. Et en historique. Ouais aujourd'hui, en même temps j'ai roulé quoi. Mais tu vois, ma batterie était chargée là, donc elle a été chargée. J'ai pas roulé beaucoup. Il a chargé 270 watts aujourd'hui, il est monté à 77 watts en puissance max. Et mais putain, il a produit, tu vois, il y a 4 jours là, j'étais dans le sud. Et 560 watt-heure, il a produit 125 watts maxi. J'avais une pointe à 138 watts aussi. D'accord. Et voilà quoi, du coup, ça produit quand même. Je crois que pareil, un régulateur, ça va être. Le Victron, c'est. Voilà, ouais. Ouais. Quand tu goûtes à la qualité. Voilà, tout a un prix, mais je crois que là. Ouais, il n'y a pas photo. Mais il y a une sacrée praticité de l'engin, quoi. Donc, c'est produit beaucoup plus aussi, quoi. Bon, impeccable. Et toi, on te retrouve sur la chaîne. Vanlife BZH. Voilà. Donc, et sur Instagram aussi, avec pareil, Vanlife BZH. Et Jason, c'est. C'est Jason The Road. Jason, J-A-S-O-N. Voilà. T-H-E-R-O-A-D. Voilà. Sur Insta. Parce que le pauvre Jason, il à chaque fois. Il est timide. Allez tous sur son Insta pour lui dire de se faire une chaîne. Qu'il faut qu'il fasse une chaîne, ouais. Ok. Bon, c'est bien. Je crois qu'on va arrêter là cette vidéo. Ouais. Et voilà.
Mais ouais, franchement. C'est... Ouais, il y a toujours des trucs à améliorer, tu vois. Ma bouteille de gaz, c'est pareil. Normalement, il faudrait un coffret gaz. Ouais, mais après, enfin. Mais bon, voilà, c'est des bouteilles que tu peux avoir en intérieur de maison, donc c'est pas. Après, c'est. Ouais. Et comme tu vois, mon frigo, il est coupé là. Ouais, puis t'as un détecteur et tout. Ouais, voilà, c'est pas. Bon, c'est surtout en cas d'accident, quoi, s'il y a quelque chose, mais bon. Il y a un détendeur dessus, il est bien fixé, c'est pas un truc. Moi, ce que j'aime pas, c'est le chauffage au gaz. S'il y a un souci, ouais, si, ouais. Voilà. Mais ouais, même si, même ayant le détecteur, j'aime pas. C'est. Ouais. On va essayer de faire confiance aux Chinois. J'aime pas trop ça non plus. Ouais. Mais voilà, je préfère faire confiance aux Chinois que faire confiance au gaz. Alors, je sais pas si c'est. Pour pouvoir démonter le chauffage, parce que là, on a eu un souci quand même avec le chauffage de Jason, parce que du coup, il. Quand on l'a reçu, dans une de mes vidéos, on voit, en fait, il donne pas la température ambiante. Tu vois, la sonde de température ambiante était défectueuse. Oui. Donc, du coup, on s'est dit, bon, comme ça va être long à revenir, on va en commander un directement. Et quand on l'a commandé, c'était un 3000 à 5000 watts, le petit contrôleur. Mais tu peux les régler. Et nous, on l'a monté dessus, et puis, bah, c'est bizarre, le chauffage, il fumait, tu vois. Donc, il y avait trop de carburant qui arrivait. D'accord. Donc, en fait, on savait pas au début. Et après, je me suis dit, merde, on l'a peut-être pas réglé. Et du coup, le truc, il s'est complètement crassé, mais calaminé à mort, quoi. Donc, on a envoyé des vidéos aux Chinois et tout ça, comme quoi il y avait un problème, on savait pas ce que c'était. On n'a pas eu de réponse, on a des insectes. Il n'y avait pas eu de réponse. Et au final, bah, on a fait une réclamation PayPal. Et puis là, ça. Ils nous ont remboursé le chauffage. Ah oui, carrément. Ouais, alors qu'en fait, c'était juste un problème de réglage. Moi, j'ai dit, bon, bah, tant qu'à faire, on va le démonter, on va regarder ce qu'il y a dessus, quoi. Parce qu'on garde le chauffage, ils ont remboursé, mais on a gardé le chauffage. Et du coup, ben, on a démonté, il y avait de la calamine partout, tout nettoyé. Et puis j'ai repris en fait les données de l'autre contrôleur. Et du coup, j'ai remis les trucs normaux et maintenant ça fonctionne. Bon, bah, impeccable. Et donc au démontage, t'en penses quoi? Au démontage, ben, c'est exactement la même chose qu'un reverse pas cher. Quoi. Donc que tu payes 1300-1400 euros. Quoi. Okay. C'est exactement la même chose et il n'y a aucun risque avec. S'il est bien monté, si tout est bien mis en place, qu'au sol, il n'y a pas de risque de remonter de gaz d'échappement et que tout est bien mis et que vous faites pas des coudes dans tous les sens parce que ouais. C'est ça, tu vois, comme le si tu veux l'air qui passe dans le pour qui prend l'air froid qui te fait de l'air chaud, ça sert aussi cette circulation. Il y a un truc. On peut juste montrer peut-être. Ouais. Ce sera plus parlant. En fait, si tu veux, t'as l'air froid qui est aspiré par là et qui renvoie là en étant chauffé dans le corps. Alors attends, on va l'ouvrir carrément, ça sera plus simple. En fait, voilà. Pour ceux qui ont eu des mobilettes, c'est pareil que des mobilettes. Les ailettes, elles servent à refroidir. Donc là, en fait, elles servent à dégager de la chaleur. Ça chauffe là et ça envoie la chaleur par là-bas. Et du coup, en dessous, ça fonctionne aussi. Il y a un petit ventilateur qui est lié à ce moteur-là, en fait, à l'intérieur là, et qui sert, lui, pour la chambre de combustion. Qui est un peu plus large d'ailleurs, mais la chambre de combustion est là et du coup ça prend l'air frais pour la combustion en dessous au niveau de la prise d'air du filtre à air et ça ressort à l'échappement du coup. Et donc quand on ralentit le flux avec différents coudes dans tous les sens, si on en met trop, bah, ça ralentit aussi la combustion et du coup il y a une mauvaise combustion. Voilà. Donc il faut que ça soit le plus droit possible en général les tuyaux, c'est pour ça qu'il faut laisser beaucoup d'espace quand même derrière pour qu'il puisse aspirer correctement de l'air qui et faut soit devant, pas faut pas qu'il force tout de suite avec un coude, faut que ça soit quand même le plus souple possible pour et pareil au niveau de l'échappement ouais, et de faut pas qu'il y ait un coude vraiment voilà, faut limiter tous les coudes, faut que ce soit c'est ça. T'as vu la poussière un peu dedans? Ouais. Mais enfin, moi de toute façon, je viens en dire que un chauffage comme ça, ça se met avec, voilà, vous l'avez là. Avec un détecteur de CO2. Obligatoirement, détecteur de CO2, détecteur de fumée, j'en ai un deuxième aussi que je vais installer par précaution, et le détecteur de fumée, je ne l'ai pas mis encore, mais je vais le mettre. Mmh. Voilà, on ne sait jamais. Parce que ça reste quand même chinois, et même ouais, les autres, puis, même les Allemands, j'ai toujours mis ça, c'est un chauffage quoi. C'est un chauffage, il y a du carburant, il y a l'électricité, on sait jamais. Et quand tu dors, t'es pas à l'abri d'avoir un truc, donc voilà. Ah, il y en a qui ont le sommeil profond, mais bon, voilà. Mais on sait jamais. Hein. De toute façon, on meurt pas brûlé, hein. Généralement, on meurt asphyxié. Non. Oui, c'est ça. Ouais. Bon, 31 minutes, on va peut-être arrêter là. Ouais. Puis par contre, évitez les chauffages à pétrole, hein. Ça c'est de la connerie. Hein. Ah là, bah si vous voulez pourrir votre camping-car ou votre fourgon en humidité ou en même en odeur, c'est à l'allumage, je trouve que c'est. C'est horrible. Ou alors faut l'allumer dehors et puis pour le peu que tu rentres, que tu donnes. Nous, on avait eu un appartement, on faisait ça, on l'allumait dehors.
pour le peu que tu le secoues un peu trop en rentrant, il se remettait en alarme, t'étais obligé, il puait encore plus. Et puis ça apporte une. C'est, franchement, c'est incroyable l'humidité que ça apporte. Dingue, ouais. Nous, on a eu notre père qui avait essayé dans une caravane, parce que quand on était sur le chantier au départ, il avait essayé pour la caravane double essieu, les grandes là. Ouais. Et en fait, le truc, il s'est mis en sécurité tout seul parce que ça te brûle tout le. Il y a une sécurité dessus, le machin, il se met en sécu. Il y a un détecteur de monoxyde de carbone qui est censé être derrière, suivant les modèles. C'est parce ça, que c'est pas tous, voilà. Généralement, c'est les modèles 220 volts qui l'ont, les modèles à pile. Voilà, il était pas. Je crois que les modèles à pile, ils ont la sécurité en cas de secousse, truc comme ça, en cas de choc. Ouais, mais c'est tout. Ouais. Bah là, ça s'était coupé assez rapidement. Donc tu vois que même dans une caravane de 7 mètres. Ça va dégager trop de CO2 quoi. Bon ben voilà, donc si vous avez des questions en commentaire ou alors sur la chaîne aussi Van Life BZH, parce que Rudy commence à bien connaître. Ouais, le chauffage commence à le connaître là, c'est bon. pour en avoir monté deux, plus avoir eu en plus un V-Basto avant, parce que j'avais déjà eu un vrai V-Basto. Donc j'ai quand même assez de recul dessus quoi. Donc, Ouais, et c'est vrai que moi, Jérémy de la chaîne The Vadrouilleur Forever, il était venu et voilà, il m'a demandé de lui expliquer comment ça marchait. D'accord. Je lui ai dit ça s'affiche en Hertz, c'est pas en degrés, mais comment ça se fait? Et je dis je vais attendre Rudy, sais pas. Et en fait, il y a deux boutons à appuyer pour changer le mode. Enfin voilà, il y a plein de petits trucs, mais ouais, franchement, moi je trouve que c'est super. Ce que j'apprécie vachement, tu vois, c'est la petite télécommande là. Cette petite télécommande là, parce que du coup tu le mets en route à distance. Ouais, donc moi j'aime bien ça, le mettre en route avant de m'arrêter au niveau du tableau de bord. Je prends ma télécommande, je l'allume, comme ça du coup ça me permet d'économiser niveau électricité, parce qu'en fait ces chauffages là c'est juste à l'allumage et à l'extinction qui consomme, parce que tu as le doigt de l'allumage qui chauffe. De toute façon, à l'allumage on l'entend. Pendant 5-6 minutes, tu vois, tu as le doigt de l'allumage allumé et ça te tire 15 ampères pendant 5-6 minutes. Et justement, moi j'aime bien arriver et profiter de la chaleur du moteur du véhicule, tu vois, que le véhicule soit chauffé. J'allume mon chauffage, il se met vite à réguler et du coup après il est juste en régulation. Comme ça voilà, tu perds rien du tout. Tu perds pas du tout t'économises un peu plus, tu perds moins d'énergie. Et puis. Autre question, j'en profite. Ouais. À ton avis, tu serais allé au sport d'hiver -10, -15, -20 degrés non, comme. On a fait du -7 à Toulouse. Ouais. Ça passe sans problème. Il fait froid dans le sud. Ouais, il fait froid dans le sud, bizarrement. Ouais. La journée ça monte bien, mais par contre la nuit ça caille. Ouais. Ça c'est clair que ouais. Et franchement nickel quoi. Il a même pas tourné à fond, il régulait de temps en temps. Donc -7. Et c'est pareil, Jérémy m'a posé une question. En altitude, à ton avis, à 2000 mètres. On a essayé à 1200 mètres. Le 1200. Reste, je ne sais pas, j'ai pas plus d'infos parce que du coup chez V-Basto et Bearsplasher tout ça, il y a des. Il faut savoir que la combustion c'est pareil, hein. La combustion n'est pas la même. On va dire à 20 mètres d'altitude, ici on est à 22 mètres d'altitude, ouais. Je crois que à 2000 mètres voilà, la combustion n'est pas le même. Après maintenant nos moteurs modernes sur les voitures ça se régule. Vous prenez une 2 chevaux, le moteur il tourne pas pareil à 20 mètres d'altitude qu'à 2000 mètres, hein. Voilà, l'oxygène n'est pas la même Comme les quads, les motos à carburateur moi je sais que celui-là on l'a testé, voilà, je l'ai validé à 850 mètres d'altitude, ça passe sans problème. Et à 1200 mètres on l'a fait marcher aussi et ça marche aussi sans souci. Donc après je sais pas au-dessus. Wow. Et après comme tu sais on peut rentrer dans les paramètres. On peut, sais pas ouais, si voilà. On vient de toucher quelque ouais, chose. Après, si c'est plus rajouter plus de carburant ou moins de carburant, tu vois, pour que ça compense. Bah, mon avis, il faudrait moins de carburant puisqu'il y a moins d'oxygène, voilà. Donc je pense qu'il faut diminuer la pompe et peut-être accélérer le ventilo. Le ventilo peut-être. Je sais pas comment ça marche. Ça, j'ai pas encore eu plus d'infos, mais j'essaierai d'en avoir encore. Bon, ben voilà. 35 minutes. Bon, ben voilà. Et ben, du coup, sur la chaîne de Van Life BZH, si vous avez des questions vraiment d'ordre technique, parce que j'en ai et je savais pas y répondre. Moi, j'essaie de répondre à tout le monde. Et quand je peux, je regarde aussi tout de suite sur Internet. J'essaie de chercher les réponses et j'essaie de renvoyer les réponses le plus rapidement possible en général. Le plus précisément possible aussi. Le plus précisément possible aussi. Parce que justement, je vais pas raconter une connerie, quoi. Je vérifie bien avant et quand je sais pas, je dis que je sais pas. Donc voilà. Enfin, savoir que je sache pas quand même. Non, mais bon, ça arrive. Ouais, mais on arrive à avoir quand même tous les renseignements maintenant sur Internet. Il y a beaucoup de sites en anglais aussi qui parlent de ces chauffages-là, donc t'as quand même beaucoup d'infos. Bah, puis là, c'est en train, je crois que ça a pris une proportion aussi vachement dans le monde. Ah, les chauffages, là, ouais. Ouais, dans le monde du camping-car ou de la van life. Vidéo, ça, voilà. Je t'aurais fait une super pub, là. Mais en même temps, je suis content, donc voilà. Non, mais c'est vrai que c'est bien. Et puis, entre guillemets, il fallait un couillon qui l'achète et qui teste. Voilà, il fallait qu'il teste. Bah voilà, j'étais. Non, mais il y en a d'autres qui l'ont fait avant quand même, mais voilà.
Mais voilà, je suis content de mon achat et bon, on verra le bilan après l'hiver. Je ferai une vidéo aussi après l'hiver et je ferai certainement un démontage pour justement regarder un petit peu dans l'état qu'il est aussi okay. Après l'utilisation de l'hiver. Bon ben voilà, et ben ce sera retrouvé sur sa chaîne. Allez, à plus tard.